que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. C'est bon, ça me saoule un peu, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Mais je sais jamais à quoi ça correspond, en fait. Ah. Combien de lettres se compose l'alphabet? K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 30, 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. La France entière va se moquer de nous, là. Oui, et c'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions nous entendre tous les deux. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Tout le monde connaît au moins la Première Guerre mondiale. C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum, quoi. Comment se prénomment les trois mages? Au Galilée. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Galilée. Quelle horrible tête. La li la li la li la du perché. C'est allumé. Pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? Elle est forte celle-là, là. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, Antoine, mon Dieu, mon chéri? Donc toi, tu dis le Moyen-Âge, c'est 1930, et toi, tu dis c'est 1600? Mais même après Jésus-Christ, bien plus avant. Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde. Qui a créé la Tour Eiffel? Qui a écrit quoi? Oh bah, ça va. C'est facile, hein. On va tous savoir, c'est sûr. Dis rien, Micha. Dis rien. C'est pas une blague. Non, c'est une blague, c'est tu sais pas, Micha. Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel. Mais ça me paraît bizarre. S'il savait, il aurait répondu direct. Non, prénom. Bah alors, un autre. Non, tiens, prénom. Tiens, prénom. Je dis Vivian. Laissez-le répondre. Chut, chut. William Eiffel. Non, pas du tout. Je suis mort. Je suis enterré. Non, mais parce que ça me stresse d'être sur une défaite. Donc, moi, je te dis, on est en 2016. Donc, imagine, je suis en temps 1316, par exemple. Je suis en 1316. Eh ben, c'est juste avant nous. Enfin, c'est 1300, 1400, 1500, 1600. Mais après ou avant l'ère des dinosaures? En fait, j'ai un problème de la lignée, de l'an zéro et de après. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an zéro, c'était les dinosaures. Et à partir de là, c'est après qu'il y a eu le... nous, en fait, tout simplement. C'est pas possible. Et... Genre, si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple? C'est un pays. Mais tu es sérieuse? C'est allumé! Ah, chaque-toi. Toi, c'est magnifique. Ouais, c'est bien. Franchement, il est hideux. Salope! Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. On dirait un ouistiti. Salope! J'ai l'impression d'être un singe. Une araignée. Je sais que je suis pas Monica Bellucci. Mocheté. Mais quand même, sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. Quoi? Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. C'est tout de même bizarre, on était là, près de lui. Mais bah moi, ça m'étonne pas. Bah oui, non, c'est vrai que c'est les Gaulois, les Romains. Ah, donc César, il est Gaulois et elle, est Romaine, ou un truc comme ça, ou l'un vice versa. Non, elle est égyptienne, Cléopâtre. Je me renseignerai sur le sujet, mais je pense que j'ai raison. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est, qui c'est. Tu sais qui c'est qu'on dirait, lui? On dirait l'acteur américain, là, tu vois qui je veux dire? Jess, à chaque fois, je te dis, là... Ah, c'est le même, c'est Nelson Mandela, là, je sais pas quoi. Celui que tu m'as parlé. Donc maintenant, je sais qui c'est Raphaël Mandela qui est sur tous les tableaux. Nelson Mandela only imprisoned here? Yeah. Or in the other section as well? No. Et il est où? Je comprends pas. Il est mort ou pas? Je sais pas, je comprends pas moi. Là, d'un coup, je comprends que Nelson Mandela, il est mort. Donc, je visite la prison de Chibaki. En plus de ça, il n'existe plus. Donc, je comprends pas trop qu'est-ce que je fais là. Je suis dans une course de vélo et je double le deuxième. Quelle place suis-je? Ben, le premier. Mais t'es trop intelligent. Je suis très contente parce qu'au final, ça prouve que les blondes, eh ben, elles sont pas si bêtes.
Regarde sa coco comme elle ébullitionne. C'est ébouillonné. Hein. Non. L'eau, elle ébullitionne. Elle bouillonne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle bouille. Elle boue. L'eau, elle bouille. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que l'eau, elle fait? Elle frétille dans l'eau, quoi. Enfin, ça fait des bulles. Chris. Ok. Oh, bon, alors ça va aller mieux. Allez, wait là-bas. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Le bouillon, j'y vais. Clairement, je serais jury, je la prends direct. Je savais pas qu'elle avait des talents de danseuse comme ça. Des talents de danseuse comme ça.